Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la promotion de l'épisode de Star Wars V5 Glad Giraffe, chers amis. Donc, on a quelques petites bestioles, une tortue donc. Ici, un corbeau noir. Et là, une espèce de souris. Oui, c'est une souris. Ah, ça me fait penser que dans le Steam machin, on n'a pas eu les petites souris avec la, il me semble, avec la, comment, la clé à molette sur le dos. Enfin bon. Hop. Voilà. Je ne sais plus, parce que moi, entre temps, il s'est passé plusieurs choses. Hein. J'ai fait le tournage de plusieurs petites choses à côté que vous verrez prochainement sur la chaîne. Nous étions sur une planète de type Frozen, Dead Planet. Ouais. Si on passait sur une autre étoile. Alors, on m'a dit de pas aller farmer sur les Fieri. Cependant, je vais quand même rester sur une Fieri. Hop. On va aller voir ce qu'il y a. Frigid Oceans. On n'en a pas fait beaucoup. Dead Planet. Eh ben tiens, on va commencer par la Dead Planet. Et ensuite, chers amis, dans le prochain épisode, je pense qu'on ira. On ira peut-être farmer un petit peu de pétrole et de plutonium. Peut-être que je le ferai en live, je ne sais pas. J'irai peut-être farmer ça en live, on verra bien. Non, pas en live parce que j'ai pas. Ça va être compliqué de faire du live avec du Starbound en même temps. En tout cas, sur ce personnage-là. Mais si vous souhaitez que je fasse des lives Starbound, je ferai un autre personnage pour que vous perdiez pas simplement l'avancée de cette série, simplement. Hop. Alors, on va trouver un seul et unique craft pour une de ces armes, mais on n'a pas ce qu'il faut. Il fallait les fameuses griffes. Ah oui, je voulais aller farmer les fameuses griffes avec vous. Merde, Cody. Bon, on ira le faire. On ira le faire, chers amis. On ira le faire. Faut que je note ça, quelque part. Hop. Faudra que je note ça quelque part. Wow. Ok. Tu cherches la guerre, tu vas la trouver. Putain de... C'était un... Ok, c'est très bizarre. Un crâne humain détenu par un Floran. Je ne vais plus avoir de respect pour eux, c'est... Gars. Hop. Un biome rocailleux, un biome osseux. C'est glauque au possible, c'est génial. Hop. Oh là là. C'est un avion, ça, c'est pas. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce que c'est que cette planète? Hop. Hop. Je déteste ces planètes. What the fuck? Ah si, ça a des griffes. Ça faut les farmer ces trucs là, chers amis. Ça se fait le machin là, on dégriffe. Oh, un coffre os. Bone sword, pourquoi pas, on va la garder. Hop. Oui, je l'ai vu, n'inquiétez pas. Hop. Hop. Oui, ils en donnent normalement, hein. C'est certain. Je mets ma main à couper. Oh la vache. Hop. Oh, on n'avance pas. Hop. Ok, je l'ai déjà. Ça, je peux récupérer. Squelette avian et un squelette ilote là. Hop. Oh la vache, on en chie. Wow, je t'ai vu. Hop. Alors ils sont censés en donner, chers amis. Hein.
What? Putain, on dirait un crâne de... C'est bien ce que je disais! Il vient de changer de tête! Ah non, il y en a un deuxième, regardez! Hop! Il avait une tête de... Putain, il avait une tête de... Comment de glitch! Non, t'en vas pas, tête de... J'ai failli dire autre chose que glitch. What? Ah, c'est génial! Mon foin avec une tête d'humain! Aïe. Aïe. Hop. Hop, c'est bon. Mais je suis persuadé qu'ils ont des griffes. Hein. J'étais allé voir derrière quel monstre avait des griffes, justement. Donc eux, je suis plus ou moins certain qu'ils en ont. Aïe. Ouf. Hop. Hop. Peut-être se healer un petit peu. Se mettre un petit coup de boost. Toi, je t'ai déjà. On progresse. Doucement mais sûrement. Hop. Non, vous vous cassez. Genre. Wouhou, c'est bon. Ça ne souffle plus. Bonjour. Je ferme la porte derrière parce que vous n'avez pas un peuple, vous n'avez pas une faune très accueillante. Et dans ton coffre, t'as quoi? Un diamant. Oh la vache, 12 bandages. Et là, on a du heal avec un peu de bol. Bah voilà. Que demande le peuple? Aïe! Hop les! Dégagez! Oh, la vache, la belle quantité de minerais. Hop! Raté! Il me rattrape, hein. J'ai le boost de vitesse, mais il me rattrape. Flash! Ah! C'est pas le bon, hein, mais. Ça s'appelle Flash aussi, merde. What? C'est pas ce que je voulais faire. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça n'a pas existé. Wow. Bonjour l'ami. Oh j'aurais... Tiens. Tiens, tombe. Voilà. Oh, il a pris cher je crois. C'est vrai qu'ils ont fait mal tout à l'heure. Oh, ok! Je crois qu'on s'est bouffé une météorite. Eh ben, on redescend! Je crois, hein, parce que ça a explosé de partout, j'ai l'impression. Vous voyez? Hop. Ok, c'est cool. Je crois qu'on s'en bouffait une deuxième. Hop. Wouhou! On va passer loin! On va rester à l'intérieur, je pense. Hop là, tu m'as pas vu. Il y en a encore. Il y en a encore plein. Oh putain. Ah là là. Je reste là, moi. Hop. M'embête plus. Taillot à blanc. Ah, mais c'est pas possible. Oh la vache. Merde, j'ai mis autre poste. J'ai mis autre poste. Bon, bon, on va pouvoir aller voir s'il y a des quêtes. Oh non, je sais ce qu'on pourrait aller voir, chers amis. Oh. You touch my tralala. Oh my ding ding dong. Je sais ce qu'on va aller voir. Après ce double headshot, j'ai ma petite idée sur ce qu'on va aller voir. On l'a pas revu depuis la précédente mise à jour, je crois. Ça ne me dit rien. You touch my tralala, oh my ding ding dong.
Hop, on y va. Alors. Boum. 3, 2, 1, engage. Pow! Alors. Tout ça, on l'a, il n'y a pas de problème. On va les mettre les têtes. Ah, j'ai pas utilisé le. Oui, je suis désolé. Ah, blanc. Hop. Yo, les filles. Hop. Et où est votre pote? Ici. Crac. Hop. Et on descend. Hop. Parfait. Et on va les retourner voir au niveau de l'arche. Les mystérieuses ruines. On va voir s'il y a des nouveautés quand même. Merde. Il y a toujours le petit campement à la con. Ok. Ok. Pourquoi pas le bonhomme avec un seul, enfin deux planètes différentes. L'espèce de dieu entité humanoïde en tout cas. Ça n'a pas changé. Hop, on va se balancer un petit peu, chers amis, hein, je suis désolé. Hop. Et au contraire, l'espèce d'entité, on va dire tentaculaire. Hop. Et donc le fameux portail avec le symbole de Starbound. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 planètes, je pense. 6 astres en tout cas. Toujours les entités humanoïdes et les différentes entités tentaculaires. 1, 2, donc la race des Zavian, la race des Floran, la race des Glitz, la race des Ilots, la race des Apex, la race des humains, la race des Nova Kids. Il nous reste donc une race inconnue. Un symbole montrant l'humanoïde repoussant l'espèce d'entité tentaculaire dans un autre truc bizarre, dans une espèce de Bernard l'ermite. Humain. Apex, Ilot, Glitch, Floran sûrement, et Avian. Avec leur propre planète, on va dire au-dessus. Et rien d'autre. Apparemment rien d'autre. Non, apparemment rien d'autre. À part toujours la petite, le petit système lumineux au-dessus. Oh là. Hop, on a failli mourir. Ok. Bon, bah rien de nouveau de ce côté-là, chers amis. Hop. Et hop. Pourtant, donc une des prochaines mises à jour est une mise à jour histoire, donc on devra en apprendre un peu plus là-dessus, je pense, je l'espère en tout cas. Hop. Eh ben écoutez, on va remonter sur le vaisseau, hein. On va considérer que c'était un échec, l'exploration de cette planète. Hein. On va en choisir une autre. Hop. Crac. La Frigide Ocean, que j'avais l'intention sur laquelle j'avais l'intention d'aller tout à l'heure. Et on verra bien ce qu'on va y trouver. Mais ça, chers amis, on le verra dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé celui-ci. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Donc, faire trouver le lien dans la barre de la chaîne. N'hésitez pas à regarder dans les précédentes vidéos les différentes informations que j'ai pu vous donner. Donc, vis-à-vis de Twitch et du prochain serveur, du choix du serveur. Si vous avez l'intention de le faire, moi je vais me renseigner. Je vais essayer de faire toujours tout ça le plus rapidement possible. Encore une fois, merci à vous pour votre sympathie. Merci à vous pour votre fidélité. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Je vais y arriver un jour. Je vais y arriver.